Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre homme serviteur Eritor. Cette vidéo elle est dédiée au peuple malien avec qui je suis de tout cœur parce que j'ai un pincement au cœur depuis hier soir aux environs de 18h, la nouvelle est tombée et ça me fait vraiment vraiment mal. On reviendra juste après le générique pour que je donne ma réaction. Tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. Avant tout propos, je tenais à apporter vraiment mon encouragement, pour ne pas dire mes encouragements au peuple malien. Franchement, beaucoup de courage, chers frères, chères sœurs. Sachez que la Côte d'Ivoire est avec vous. Sachez que la Côte d'Ivoire est de tout cœur avec vous. Et nous compatissons, voilà, à votre douleur. Et je vous invite aussi à avoir une pensée pour toutes ces victimes-là et de prier pour leur âme. Voilà, donc RIP à toutes ces personnes qui ont perdu la vie dans cette attaque meurtrière qui s'est déroulée au Mali dans un village nommé Ogassogoupel. Voilà, c'est là-bas que les événements se sont déroulés et franchement, moi j'ai très mal. C'est parce que j'ai mal que je fais cette vidéo-là d'abord pour vous informer, pour ceux qui ne sont pas informés, qu'actuellement le Mali est en deuil parce qu'on parle de plus de 100 morts. Et le bilan révélé par le secrétaire général de l'ONU révèle que le bilan net exact, c'est 134 victimes qui ont été tuées et plus de 55 blessés. Franchement, c'est abominable, c'est vilain à voir. Je ne peux pas comprendre que entre nous-mêmes les Africains, pour quelques-unes, une, je sais pas comment je vais dire ça, ça y est, je sais même pas comment je vais m'exprimer, ça y est, que je ne sais pour quelle raison on va s'entretuer ainsi. Je ne comprends pas. Voilà, pour faire une petite historique. En fait, c'est un conflit avec des communautés maliennes. Des éleveurs d'un côté, qui sont, on va dire, de mèche. Ne pas dire qu'ils sont devenus de mèche avec le groupe djihadiste qui s'est installé dans le nord du Mali depuis, je crois, 4 ans maintenant. L'année passée, même en 2018, c'est, on va dire, c'est pas là, intercommunautaire là, on fait plus de 500 victimes. Et malheureusement, encore en 2019, pendant que chacun est en train d'évacuer à ses occupations, pendant que j'étais en train de vous parler de Débordeaux, de Serge Beno, et je ne sais qui encore, là-bas au Mali, dans le petit village de Gassougoupel, il y a des présumés coupables. On dit que ce sont des chasseurs. Voilà, ce sont des chasseurs traditionnels qui ont fait ce vilain truc-là, qui ont tué toutes ces personnes-là. Voilà, ils ont incendié des cas, ils ont tué des gens à sang-froid. Franchement, ça, j'ai pas les mots en fait. Je suis tellement dépassé que j'ai pas les mots. Mais en même temps, je fais cette vidéo-là pour interpeller tout un chacun de nous. Vous comprenez souvent pourquoi je dis, c'est pas tout qu'on justifie. Vous voyez un peu? Quelle que soit la raison, c'est pas tout qu'on justifie. Vous allez demander à ces meurtriers-là pourquoi ils ont fait ça. Ils vont dire c'est parce que soit ils sont sur nos terres, on leur a dit de partir, ils ne veulent pas partir, ou bien c'est parce qu'ils ont fait ça qu'on fait ça aussi. Est-ce que tuer une personne, est-ce que ôter une vie résoudra le problème? Je ne pense pas. Mais malheureusement, c'est ce qu'on constate maintenant de nos jours. On justifie tout. J'ai fait ça parce que. Je fais ça parce que. Mais on va où avec ça? C'est pas intéressant comme ça. Si nous-mêmes, en nous-mêmes, en choses africaines, on ne s'aime pas, pour des intérêts personnels, on est prêt à se tuer, à se marcher dessus. On va aller où? Bon, vous qui avez tué, c'est, on va dire, c'est 134 personnes là. C'est quoi votre satisfaction? C'est quoi votre satisfaction? Vous n'avez rien gagné. Bien au contraire, vous avez pris les péchés de ces pauvres personnes là. Je ne sais même pas pourquoi on ne peut pas semer un peu de graines d'amour dans nos cœurs pour être un peu plus tolérant. Pour distancer, c'est-à-dire pour communiquer, pour donner un peu plus d'amour, je sais pas. On tue, on justifie. On blesse, on justifie. On expose, on justifie. En fait, on justifie tout. Franchement, beaucoup de courage encore, hein, au peuple malien. Beaucoup, beaucoup de courage. Parce que, spécialement moi, je suis de tout cœur avec vous. Je suis vraiment de tout cœur avec vous. Et j'ai mal, c'est pourquoi je fais cette vidéo-là. Les amis, changeons un peu nos manières de faire. Au lieu d'être solidaire pour être plus compétitif à l'échiquier international, on se tue. On se laisse manipuler pour se tuer. Juste pour des biens matériels. Bon, je ne serai pas long cette vidéo-là. Hein. C'était juste pour dire que c'est vraiment méchant.
ce qu'ils ont fait. Et puis la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est deux pays frères, donc nous sommes avec vous. Beaucoup, beaucoup de courage. Yako, 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 comme on le dit en Côte d'Ivoire ici, à toutes les familles. Et force aux Maliens. Ciao, ciao.